À la grotte du Trabuc où Jean-Philippe et Patrick vont bientôt passer 60 jours et ce week-end, 35 spéléos se sont relayés pour acheminer leur nourriture et 450 mètres de câbles électriques pour assurer un éclairage ou une alimentation de secours si jamais leur vélo venait à leur faire défaut. Voilà, c'est parti. Hop, on va pouvoir commencer la journée et on rentre par l'entrée naturelle de la grotte de Trabuc. Là, on arrive au niveau du camp de base. Donc, c'est une structure en bois qu'on a monté au mois de mai. Donc, ces dimensions sont de 3 mètres par 4 mètres et à peu près 3 mètres de haut. Donc, cette structure a été rehaussée pour faire en sorte que le plancher soit parfaitement horizontal. Sur cette partie arrière du camp de base, on mettra donc un vélo que Patrick a préparé. Il l'a préparé de telle manière qu'il soit branché à un alternateur et à des batteries pour nous permettre d'être autonome en électricité. Il aura un double intérêt, c'est qu'il nous permettra chacun tous les jours de faire un minimum d'une heure de vélo pour notre exercice physique. Il y en a qui veulent encore de l'eau. Les gens qui connaissent pas. On a 80 bidons de 5 litres, donc 400 litres d'eau, ce qui correspond à environ 3 litres et demi par jour et par personne. Alimentation et nettoyage compris. Les plats chauds pour les 2 mois, pour 2 personnes. Donc à peu près, je crois, 180 kilos. Parce que ça date d'après-guerre. Tous les plastiques. C'est fou parce que les plastiques ne bougent pas. Ils ne bougent pas les plastiques. Aucune biodégradation. Dans 1000 ans, ils y sont encore. Ils n'auront pas bougé. C'est incroyable. Bon, si tu veux, la pierre angulaire de l'expérience, c'est d'abord d'analyser le comportement des individus en situation extrême. Alors, ça, c'est la première chose. Une université va s'occuper, des chercheurs vont s'occuper de nous établir un protocole pour savoir un petit peu comment on évolue. Voilà. Parti à 11h30. Au soleil, on est au plus. T'es arrivé d'où, Daniel, du coup? Du tube? Derrière. Tu vois la corde? Ah, il y a le. Attends, fais gaffe, parce qu'elle fait 50 ans. Ah, attention, il faut tenir la corde. Ah, oui, d'accord, ah, bah voilà. T'es le dernier? C'est bien de tirer la tête, parce que je me prends pas vers la corde. C'est dommage qu'en fait, il y ait plus la. On est au bout du rouleau.
Jean, t'as pu? Il faut la prise. C'est quand même plus sympa, non?